Good morning, allez-y, d'un an étudiant aujourd'hui, le nishmat avam, chay norber ben fortuné mazal, chayabat tuba rachamim ben rosa. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Maseret Bechorot, par Ekbav Mishnah Zayin. Baal Chamesh Raglaim O She'en Roel HaShalosh. Veshe Raglav Klutot Keshel Chamor. Veha Shachul Veha Kasul. Eizehu Shachul Shenishmeta Yerecho. On continue, sixième chapitre de Prorot, à définir quels sont les défauts qui invalident un animal pour le misbéar, c'est-à-dire à partir de la Torah, elle insistait qu'on offre un corban qui soit tamim, qui soit parfait, sans aucun défaut physique, et donc, du coup, dans notre chapitre, on apprend quels sont les différents défauts qui vont invalider l'animal pour le misbéar. Et là, on continue maintenant dans notre Mishnah avec Baal Chamesh Raglaim, celui qui a 5 pieds. Une mutation, il a eu 5 pieds. Ou bien Oshen Loela Shalosh, ou qui n'en a que 3. Précision super importante de Barthénois. Il faut savoir qu'on fait une différence entre les pattes avant et les pattes arrière. Pour les pattes arrière, s'il y a un pied en plus, ou bien il y a un pied en moins, eh bien l'animal il est taref, tout simplement. Ouais, on aimerait que tout ce qui est. Pour les pattes arrière, retenez juste, pour les pattes arrière, s'il y a une mutation, un animal muté qui a des pattes, une troisième patte arrière ou bien qui n'en a qu'une seule, eh bien l'animal il est tout simplement pas cachère. Donc bien évidemment qu'il sera inapte pour le misbéar, il n'en est pas question, il n'est pas cachère pour un homme, pour un juif. Alors, et par contre, pour les pattes avant, là, s'il y a une patte en plus ou une patte en moins, ce n'est pas taref. Mais malgré tout, c'est un animal muté qui est complètement déformé, quoi, qui n'est plus apte pour le misbéar. On continue. Vesheraglav klutot keshel chamor. Et qu'il a les pieds, les sabots, arrondis comme ceux d'un âne. C'est-à-dire, j'explique. C'est simple. Il y a dans les. Vous savez bien, pour les animaux cachers, c'est ceux qui sont. Qui sont chossat, chessa, qui ont les pattes de vache ou de tous les animaux cachers, en fait, regardez, faites une petite recherche sur les pattes des animaux, vous allez voir, tous ceux qui sont cachers, eh bien, ils ont les sabots fendus. Ça implique quoi? Ça implique que ça se finit en pointe comme ça. Il y a les deux. Ça se finit en deux groupes qui sont arrondis, en fait, c'est le pied qui se sépare, et il y a eu deux, comme de muscles, de tubes, je ne sais pas comment dire, qui se séparent. Là, la Mishnah, maintenant, à la différence des chevaux, en l'occurrence, si vous regardez un fer à cheval, c'est tout rond, d'accord? Il n'est pas du tout, il n'a pas du tout le sabot fendu. Il y a le. Alors maintenant, ça se passe comme ça. Il y a le. La Mishnah, elle vient m'enseigner, elle me dit non, ça arrive des fois qu'il y ait des petites mutations. L'animal, il peut être cachère. S'il vient mina taor, il est taor, même s'il va avoir les sabots qui ne vont pas être fendus. D'accord? S'il est né, une vache qui a mis bas d'une sorte de veau, on a prononcé dans Choline, une sorte de veau, mais qui n'a pas les sabots fendus, ça arrive, une petite mutation, l'animal, il reste cachère. Il y a maintenant, malgré tout, pour le misbéar, il sera inapte. Barthénois précise que même si, concrètement, il va avoir même les sabots qui vont être fendus, coupés en deux, mais qu'au lieu que ça se sépare en sorte de deux tubes qui se séparent, on remarque que c'est une forme, imaginez comme un pied de cheval qui est entièrement arrondi, mais qui est coupé en deux, mais bizarrement. Eh bien, dans ce cas-là, l'animal, bien sûr, il sera caché à la consommation, mais il sera inapte pour le misbéar. On continue avec Vea Shachul, Vea Kasoul. Shachul, c'est un boiteux, et Kasoul, c'est celui qui a une jambe plus grande que l'autre. Et la Mishnah justement explique. Eizehu Shachul, qu'est-ce qu'on appelle un Shachul? Shenishmeta Yerecho, qui a eu la cuisse qui s'est déboîtée. Il a eu la cuisse déboîtée, et selon le cas, des fois, ça peut même être taref. Pas toujours, ça dépend, c'est précisé dans le Mefarshim exactement dans quel cas. Mais en tout cas, une chose de sûre, c'est l'animal, il est boiteux. Il a une déformation. Il a plus l'os, le fémur, il n'est plus emboîté comme il faut. Alors là, dans ce cas-là, il est inapte pour le misbéar. Même s'il reste cachère, même si tout ça, c'est pas possède, ça n'en est pas taref. Mais kasoul, aussi, c'est quoi kasoul? Alors, chez achat miyal rotav gevoa. Littéralement, c'est qu'il a une jambe plus haute que l'autre. Au début, je pensais qu'il était rachitique, qu'il avait en fait une jambe plus longue que l'autre, mais non, c'est pas la question. Le Barthénois rapporte que c'est pas le. On parle d'autre chose. On parle qu'en fait, il y a dans le bassin, même de l'animal, il y a là-bas le fémur qui est planté dedans, je sais pas où exactement, dans le Boukadé Atma, ça s'appelle dans la Gemara, il a
un socle où est-ce qu'il est emboîté là-bas. Et ce qui se passe, c'est que chez cet animal-là, il est emboîté plus haut. Quelque chose de bizarre, une petite déformation. Et bien, dans ce cas-là, l'animal aussi, il sera kasher à la consommation, mais inapte pour le misbah. Et donc, on pourra faire la shrita au bechor et le manger en tant qu'animal khoulin, profane. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de la sefer kol tov. Salam.